Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, par quoi vais-je commencer? Ma névralgie est toujours là, après que ça fait 4 jours, cette douleur hein, enfin, dans le fond de l'œil. Donc, écoutez, j'ai appelé ce matin mon docteur qui me reçoit, il voulait me recevoir aujourd'hui, mais je lui ai dit que je n'étais pas là cet après-midi, donc demain matin, comme je vous avais dit, il vient d'arriver, j'ai rendez-vous donc avec Eric à 13h. Pour son taf, lui, il doit aller à Chartres. Et il m'a proposé de venir avec lui. Il va me déposer dans un centre commercial. Après, j'irai en centre-ville, là où il y a ses faux, pour que je vois un petit peu ce qui est arrivage, nouveauté. Voilà. Donc, pour le moment, il est pas loin. Il est midi 16, donc je vais grignoter. Et je vous reprends peut-être après directement dans les magasins. Voilà. Me voilà arrivé. Il m'a déposé. J'ai mis mes lunettes de soleil tout le long pour reposer ma vue et on va aller voir ça vite fait. Je sais pas, ça se trouve dans 20 minutes il est là, donc si je veux profiter un minimum de cette galerie marchande qui est très sympa, je vais y aller. Peut-être enlever ça quand même. C'est joli. Bon évidemment, je vais aller faire un petit tour chez H&M. Je cherche des boots un peu punk avec une semelle rouge. J'en ai vu sur internet. J'ai vu même le modèle qui me plaît, mais je peux pas les commander, j'ai envie de les essayer, mais ça va être galère pour trouver. Petit style anglais. Allez. On se concentre, on est chez H&M. Oh, regardez le miroir qui te fout les boules. Oh, comment ça grossit, t'as l'impression que tu fais 1m10. Passage obligé dans la parapharmacie, j'adore aller ici. Et il n'y a pas de musique, c'est cool. Il y a des produits quand même canon. SVR, c'est une excellente marque, vraiment, en hydratation, en soins. Je passerai des heures dans les parapharmacies. Je suis fan. Par contre, je vous annonce, chez H&M, j'ai trouvé un manteau, une veste rouge. Magnifique. J'ai hâte de vous montrer ça. Je ne sais pas si je vous montrerai en rentrant ou si je ferai une vidéo dédiée de mes achats demain. Je ne sais pas. Garancia. Oh, c'est une marque également que j'adore. Ils font vraiment des gammes qu'on ne trouve pas partout. Avec des effets, je veux dire, qui ne sont pas communs. Là, par exemple, celui-ci, il est super bien. L'hydratante, c'est rouge. Je crois que c'est la tomate. Sérum, voilà. Sérum concentré de beauté, anti-rougeur. Bon, ça, j'ai pas trop besoin. Crème de nuit. J'ai retrouvé Eric, mais avant qu'on aille dans Chartres, il faut que je mange. J'ai pas assez mangé ce midi et on va se prendre une petite, un petit goûter. Et vous m'avez dit une très grande marque. Ah, t'as raison, j'avais pas vu. C'est là les viennoiseries, évidemment. Ouais, moi je crois que je l'ai trouvé. Direct. Oui. Devine ce que je prends. Une tarte au sucre. Non, non. Une tarte à la framboise. Ouais, d'accord, est-ce que... Non, regarde, petit Paul brioché chocolat. Ouais, un petit Paul brioché chocolat. Et tu te rappelles celui-là, là, le muffin noisette, comme il était bon? Ouais. Mmh. Un Volvic hibiscus, s'il vous plaît. Attendez. J'ai pas pris ma petite brioche, mais j'ai pris la fameuse tarte au sucre. Donc tu avais bien vu, mais à la framboise. Et t'as pris, j'ai pas compris ce que tu as pris. Une brioche au chocolat familière? Deux brioches au chocolat familière. Oh, j'espère que ça se garde parce qu'on va pas manger. Ouais. C'est grave. Faut les manger tout de suite. C'est ça que j'ai pris, je sais pas ce que ça vaut, mais ça me donnait envie. Oh là là, c'est énorme. Ton flan, ça va être vachement pratique en conduisant, je sens. Si t'en avais pas parlé, celle-ci, il y a 100% sucre. Je maîtrise parfois trop, ça m'en fait, j'en ai des larmes aux yeux. De maîtriser quoi? La conduite. On est dans le... Dans le parking, fermé. Pour aller à Sephora, tu vas à la Fnac, toi? Je peux aller voir. Tu peux venir avec moi si tu vas à Sephora? Non. Tu mets vite la carte bleue. Je te l'ai redonné, non? C'est bon ou pas? C'est bon. Je l'avais mise par terre? Ouais. Elle est tombée? On arrive carrément sur la place, c'est carrément mieux là. Le grand monarque, on sait même pas, tu vois, qu'il y avait cette sortie. J'y suis, chez les séries. Je lui ai dit, pourtant tu viens, mais il m'a dit non.
Voilà. Je restais un moment, bah, vous n'êtes pas rendu compte, parce qu'elle m'affiche le bénéfice, chez bénéfice en fait, le stand, les sourcils. On va rentrer. Hein. On n'a rien trouvé à la FNAC, mais moi j'ai trouvé encore. Bah si, je vous ai dit. C'est par là qu'on redescend ? Oui. What ? Je t'énerve pas. Je suis très calme. Oh putain ! Pourquoi tu ne peux pas l'ouvrir ? Je sais pas, parce qu'il faut mettre. Ah merde ! Ouais, donc un peu plus d'une heure, 3 euros, ça va ? Oui, mais pour être bébé, si tu as un peu de temps. L'horoscope, bébé, vite, Lyon. T'es pas dessus, toi. Lyon, aujourd'hui, les relations avec votre entourage seront très harmonieuses et faciles. Tu disais quoi avec l'astrologie ? L'astrologie, c'était inventé sous Babylone. Sous Babylone ? Ouais, tu sais, la ville de l'époque, quand ils l'ont inventé, les constellations n'avaient pas la même position dans le ciel. Tu veux dire que donc ça n'a aucun. C'est-à-dire que même ton signe de naissance ne correspond pas du tout à la réalité. Donc tout est faussé. C'est pas que tout est faussé, c'est qu'à l'origine, c'était un truc qui n'est basé sur aucune observation réelle. Et en plus, maintenant, il est faux. Bébé, t'as changé de caisse, tu me l'as pas dit. Mmh. Ah, c'est Noël avant l'heure. J'en ai marre d'avoir une bagnole dans laquelle. On peut faire des déménagements, emmener les enfants. Ça, tu veux une voiture d'égoïste. Regardez, en dégageant. Parce que là, je trouve que la lumière, elle est mieux. Peut-être qu'à la maison, on verra pas. Ça se voit, hein. Et elle m'a mis du blanc. Elle m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire, d'autant plus que je porte des lunettes. T'as vu comme ça se voit vachement, bébé ? Là, mon sourcil. Enfin, oui, c'est vrai, bien, ça se voit vachement. Te fous pas de moi. C'est quoi ce magasin ? C'est pas un magasin, Lyon, c'est la poste. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais bien sûr, enfin, c'est le bâtiment que je t'ai montré. Là, tu vois bien l'architecture. Ils font le tri postal. Non, c'est pas un truc de tri postal. Je sais pas. Par contre, les sorties de bureau, bonne idée. Je savais pas que le Mercure, il était. Et franchement, on n'a pas l'impression, on habite quand même, on peut dire qu'on habite quasiment à Chartres, tu vois. Et on découvre encore des choses. On est de retour. Je vais vous montrer, en fait, là, les choses que je vais essayer, enfin, que je dois, qui sont censées être essayées, je les essaierai dans le vlog de demain. Par contre, je vous montre quand même les choses, là. Et notamment, mon énorme coup de cœur. Je vous ai posé là. Alors, ben, je commence par ceci. J'ai pris le fameux contour des lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Lip Sheet Reshape. Lip liner, crayon à lèvres pour modifier la forme et la taille. Ah, j'aime pas vu. Et c'est une couleur, donc comme c'est la seule, qui va vraiment s'adapter à pas mal de carnations. Et c'est pour, justement, c'est ce qu'elle expliquait, Charlotte Tilbury, pour s'amuser, pour créer plein de looks différents. Effectivement, c'est un nude. Bah, je l'essaierai demain, hein, parce que je peux juste vous montrer là, à la limite, ce que vous puissiez vous rendre compte. Ou pas. Voilà. Parfaitement nude. J'ai pris une nouveauté. J'hésitais, donc j'ai demandé avec le... Ça y est, je sais plus. Il y avait un tape, fond de teint tape, une des nouveautés. Et il y avait également une nouveauté, le fameux, là, compresse comme ça, de chez Kat Von D, je crois, la nouveauté. J'ai pris celui-ci, de chez Benefit. C'est vraiment la nouveauté Hello Happy, qui est plus couvrant que le fond de teint de la même gamme. Fond de teint liquide, couvrance moyenne, SPF 15. Donc quand on dit couvrance moyenne, tu peux moduler. Donc tu peux faire plus foncé ou plus léger. Un teint lumineux hydraté, donc ça parfait pour moi, irréprochable. Pigment photochromique. Je l'ai essayé, enfin me l'a essayé là, me l'a essayé là. Vous trouvez déjà la teinte, hein, parfaite. Il y a des acides de fleurs qui favorisent l'éclat du teint et surtout, nous avons de l'acide hyaluronique dedans qui aide à préserver l'hydratation de la peau. Tenue 12 heures. Bon, ça, je suis toujours sceptique hein, quand je vois tenue 12 heures, mais bon. J'adore tester des fonds de teint. J'ai l'impression à chaque fois, le jour où je teste une nouveauté fond de teint, que ma peau va être transformée, il n'y aura plus d'imperfections. Bon. Souvent, t'es déçu parce que va trouver le fond de teint ultime. Ouais, voilà. Donc, c'est celui-là. Et bien, ce que je ferai, c'est que demain, quand vous me verrez à l'ouverture du vlog, je le mettrai. Il est en train de manger. Jackie, ah, la brioche. Enfin. Tu te comportes mal, tu viens d'avoir à manger en plus. On passe à Sephora. On passe à H&M. Cette merveille, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'ai prise en M pour
pour être à l'aise, parce que c'était un, voilà, j'ai essayé en S, elle m'allait bien, mais elle était juste. Je me suis dit, si tu mets un gros pull ou quoi. Voilà. Donc, c'est rouge, mais c'est un peu brique, c'est un petit peu pas orangé, mais pas loin. 39,99€, ça va. Et je trouve qu'elle me va très très bien. Elle me ravive le teint. Elle est trop fun. En fait, je t'ai regardé, mais vous n'allez pas vous rendre compte si. Faut que je vous mette plus haut. Voyez un petit peu le délire. Je vous parle pas de la douceur extrême de cette veste. Oh, c'est vrai que ça rehausse le teint, c'est hyper gai. La vendeuse d'ailleurs elle me dit ah oui, ça vous va mieux que ce que vous avez là, genre mon manteau bleu marine, mais bon, ça n'a rien à voir, donc c'est pour la chaleur. Oh, trop beau. Trop trop beau. Ça tombe en plus parfaitement, juste en dessous les fesses. Je suis fan. J'ai pris, toujours chez H&M, je suis haute, non? Petite jupette taille S, écossaise, anglaise, légèrement trapèze. Et vous savez quoi? Je l'ai essayé au-dessus de mon pantalon. J'avais la flemme d'aller dans les... Il est en train de faire des dérapages. Okay. J'avais la flemme d'aller dans les cabines alors que H&M, il n'y avait personne. Mais... Je me suis tentée comme ça. 19,99€ la petite jupette. Très jolie. Dans la partie accessoire, un serre-tête. Un petit peu à la Blair Waldorf. Voilà, bah je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa. C'est fait vraiment rapidos. Je vous ai donné le prix, je ne sais plus. 9,99€. Pour ce petit serre-tête. Donc voilà pour mes achats. J'ai hâte demain de tester. Je pense que demain matin, quand j'ouvrirai le vlog... Ah, j'ai rendez-vous, c'est vrai. 9h chez le médecin. Quand j'ouvrirai le vlog, je pense que je serai rentrée de chez le médecin. Donc je serai maquillée. Et je serai avec le contour des lèvres, le fond de teint. Sur ce, je vais clôturer maintenant ce petit vlog. Et puis, j'aime beaucoup. J'adore. Je trouve que ça me va trop bien. Cette couleur, ça ravive le teint, vraiment. Je vous dirai à demain pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut tout le monde.